Ça fait maintenant plus de 10 heures que j'ai commencé à ouvrir les colis perdus. Et j'ai encore plein de choses à vous montrer. Tu vas l'ouvrir ? Tu vas vouloir m'appeler direct. Rappelez-vous, j'avais 24 heures pour ouvrir 1000 kilos de colis perdus, ce qui faisait 10 000 euros. Et il me reste encore tout ça. J'ai l'impression que c'est interminable. Ça fait pratiquement 10 heures, sans compter les petites pauses à droite à gauche, qu'on ouvre des colis. Waouh, c'est tout mignon. Oh non, ça va pas plus. Pour ceux qui viennent de regarder la vidéo, qui n'ont pas vu les épisodes précédents, ça, on sait pas vraiment c'est quoi, c'est une housse bizarre, mais je sais pas si ça sert à quoi, mais on en a eu vraiment beaucoup. Par contre, si vous avez pas vu les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les voir en cliquant juste ici, parce qu'on a vraiment eu des pépites. D'ailleurs, regardez, le podium de ce qu'on a eu, là, une carte graphique que j'ai mis en numéro 1. Là, un petit truc qui fait ça, du bruit. Je sais pas si ça se ressent à la vidéo, mais c'est horrible. Un petit sabre laser. De plus en plus, je doute sur le troisième, quand même. C'est pas foufou. Regarde quand c'est éteint, regarde. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Ça reste stylé ça vraiment? Tu valides? On le met dans le podium? Oui. Ah ouais, carrément! Tu te fous pas un peu de ma gueule? Non, non, ok. Non, ok. Ça, ah, ça c'est bien ça. Enfin, enfin, mon colis, s'il vous plaît. Petite boîte d'AirPods bizarre. Ils ont l'air clean, regarde. Ils sont vraiment petits. Ils sont propres ça. On a eu combien des paires d'écouteurs? Vraiment, c'est une dinguerie tout ce qu'on a eu. Les gars, tout ça, on va donner une assos à la fin de la vidéo. Logiquement, ils doivent venir directement eux les chercher. Ça, c'est quoi, ça? Oh, c'est stylé! Ça, c'est à deux doigts d'aller sur le podium, en vrai. Ah, c'est pour le nez, non? Ah, ça fait mal ou pas? Ok, ça, c'est pas pour la sauce, ça. C'est nos miskines pour eux. Là, il y a un truc que j'aime bien, mais je sais pas, j'ai peur d'être déçu, mais regarde la tondeuse, comme elle est trop belle. Ah, elle est belle de fou, regarde! On voit tout le système. On dirait les tondeuses d'artiste, tu en as une un peu comme ça. Mais ça se voit que c'est pas quali quoi. Qui veut un petit dégradé là vite fait en balle? Après tester une tondeuse c'est cool, mais c'est normal que ça coupe quoi, encore heureux. J'aime bien. Ouh, lui la petite paire de chaussures là, en plus ça a l'air d'être de ma taille. J'avoue que l'emballage est plutôt clean. Déjà ça sent pas bon. Le carton comme ça là, je crois que c'est même pas des chaussures. Ah, déjà la boîte à l'intérieur, elle me paraît un peu plus quali. Ouh. Oh, une petite paire de Nike. Ah, elle est très mal, mais par contre. Je suis mort. Depuis quand sur les paires de Air Force, il y a ça? Surtout que c'est même pas des éditions ou quoi. En plus, regarde, ils ont mis quoi? Stock X. Ah, les malades. Ok, elles sont clean. Ça va être nul à chier. Ça aussi, dans l'épisode précédent, il y en avait tellement. C'est des tissus, en fait, avec plein de modèles pour faire de la couture ou quoi, je sais pas, mais... Ah, attends, il y avait un truc en plus. Ah. C'est du fond de teint, je crois. Ah, je sens bien ces deux petits colis, là. Quand c'est du jaune, souvent, c'est des produits fake, genre des Prada ou des trucs comme ça. Dans l'épisode d'avant, on a eu des lunettes Prada. Ah bah non, pas du tout, là. Ah. Nico, faut que tu testes tous les objets, hein. Tu testes celui-là, enfin tu les testes tous et tu me dis tu préfères lequel, ok? J'ai des trucs bizarres là. Oh mais c'est des trucs de cul, c'est sûr, putain, je le sens. Attends, peut-être Nico, je vais devoir me rajouter aux toilettes avec toi. Ah Nico! Nico! Attends, j'arrive Nico! C'est pour voir si on se lave bien les dents. Hein. D'accord, c'est pour ça, ok. Ah, une petite pince. Je perds pas beaucoup de temps sur les colis. Habituellement, je regarde un peu, je teste, on s'amuse un peu, mais là, il y en a trop. Donc je suis obligé de faire ça très vite. Bien. Ouais mais c'est pour des petits pieds quoi. Mais oui c'est mignon. Lui, ah ouais vraiment toi tu veux qu'on aille doucement? Ah non ça revient au même en fait. Je sais pas psychologiquement d'ouvrir des petits, pour moi on va mettre grave du temps mais non. Ça revient au même. T'as fait une connerie si tu me dis de prendre celui-là. Tu aurais aimé curcuma. Complément alimentaire qui vient des colis perdus jamais de la vie. Si c'est bien il y a beaucoup de trucs. Mais je le sens pas. Wesh. C'est un bouton tactile. Je peux le remplacer avec les prises, c'est tactile genre. Stylant en vrai. Bah du coup il y a deux. Oh il y a un truc à l'air stylé les gars là. Regardez, je vous montre avant moi. Ah. Bon en vrai non c'est hyper bien. Faites pas les aigris. Mec c'est génial. T'as un type C, USB, 3 prises, t'allumes, t'éteins. Que demander de mieux? Non vraiment c'est génial. Ah je crois que tout le monde te casse les couilles, ouais t'as le USB C, t'as une prise. Bah mec j'ai tout. Ok ça a l'air bien. Je le sens bien. C'est quoi ce truc d'agent secret là? Mais c'est quoi? C'est juste des lunettes de montagne, c'est tout. Oh, je suis tellement déçu. Et je peux changer les couleurs, mec. Oh, je vois trop bien, par contre.
Oh, les couleurs, comme elles sont belles avec. T'as vu comment tu vas bien? On va trop bien avec. Ah, c'est des hugs. Oh, wow, c'est confortable à l'intérieur. Mets ta main. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, des petits chaussons. Non, en vrai, ils sont horribles. Oh, c'est pratique, ça. USB, USB-C, tout. Et tout. Ah, ça, ça a l'air un peu cool, ça. Ah, c'est pour moi, j'ai le maquillage. C'est stylé, ça. Ok, bon, ça, allez, j'ouvre. Chaussures, montagnard pour monter l'Everest, 45. Ok, ça c'est un peu cool en vrai. Franchement, dommage, c'est pas un truc Naruto. Genre. Putain, c'est propre en vrai. Ok, on va le mettre à côté de Naruto pour voir. Non, il fait pas le poids. Ah, ça on l'a eu tout à l'heure. En gros, ça au début, je pensais que ça envoyait de la brume. Je l'ai mis et tout. Mais en fait, je sais pas c'est pourquoi, mais ça envoie des gros coups de jet. Du coup, j'ai arrosé tout mon extrait. Pardon, regarde comment je l'ai arrosé. Je sens le t-shirt de beauf. C'est pour moi. Je vous avais dit quoi? Vas-y, mets-le. Regardez. Regardez la transformation physique. Regardez en seulement 4 secondes. 1, 2. Après beaucoup d'efforts, voilà le travail. C'est quoi cette merde? Non, mais mec, c'est le cadeau surprise de la mort là. Ça fait que de se réduire de plus en plus. C'est une blague de toi. Arrête. Pitié, c'est encore plus petit, je pète un pont. Alors c'est bon, on y est. Ah, c'est une plante à base de cannabis, je crois. C'est pour soigner la douleur. C'est quoi? Oh, un petit truc cool, là. Un petit support téléphone, mais qui a l'air bien... Regarde, là. La batterie, elle a sauté. Ah, ça fait stabilisateur. Mais non. Sérieux? Mais alors, si c'est ça, c'est le podium numéro 1 pour moi, là. Mec, il marche de fou! Mec, t'es mort? Ouais! Mec, mais c'est une dinguerie ça! Et là, regarde, tu peux carrément allumer une petite LED. Wow! Mais ouais, je me suis une petite dinguerie ça! En vrai? Ah non, mais là. Là, il y a un truc qui va changer là. Non, vraiment, ça c'est. Et c'est tout petit. Ça, pour les vacances ou quoi, c'est vraiment une dinguerie pour filmer des TikTok et tout. Ça, je suis obligé de le placer. Je pense qu'on va faire, c'est que le sabre, il est bien. Mais c'est juste cool vite fait quoi. Je pense que le sabre, ça va en 3 du coup. Non, la petite alarme elle est beaucoup plus efficace. Tu veux la entendre? Peut-être que tu te souviens pas du bruit. Voilà, elle est efficace. Ça c'est une petite paire de chaussures. Elles vont bien gay, j'imagine. La tornade de Konoha. Ouh, waouh! Wow. Ah, celui-là il m'a donné envie d'ouvrir, mais. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Et ça coûte pas cher, mais j'en ai jamais acheté. Et aujourd'hui, enfin, je l'ai dans les colis perdus. C'est ça, oh, le poulet, putain. En plus, il est tout neuf. T'es prêt? C'est quoi, cet engin? C'est quoi, cet engin? La loule. Ah, non, c'est pour aider les aliens ou quoi, ce truc? Oh, non. Non, non, ça a l'air bien, ça. La marque Vitura. J'ai l'impression que tu vas me décevoir. Oh là. C'est le spécial de la France. Macron. Nicolas, demain en 7h ici. Oh, trop mignon. C'est quoi? Remote dog training collar. C'est pas trop mignon, bande de fils de... La boîte, vraiment, tu le dis. Trop mignon. Mais à quel moment les chiens sont trop mignons avec ça? Vraiment, c'est... Pio, on va te punir. Ah non, oui. Non. Vraiment? Vas-y, vas-y, non, 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 non. Ça marche pas. Il y avait un mode de... Il y avait un mode de fils de... Ça faisait pouf, pouf, pouf. Mais c'était à 1. Il est méga puissant celui-là. Il est méga puissant celui-là. Et il me lâchait pas en plus. Vous voyez que j'avais mal, il me tenait, il me tenait. Non mais ça c'est pas dans... c'est pas normal, c'est trop dangereux. Pio, à toi. On fait tous. Un. Comme moi le 1. Allez. T'as vu comment ça fait? Ça fait bzzz, bzzz. Tu sais que je le sens encore sur le bras là. Ouais. Sauf que c'est pas un petit coup genre tu te dis oh ça passe, c'est... Ah ouais, c'est... Tadam.
Ça, ouais, non, ça je le mets à la poubelle, les gars. Alors là, vraiment, ça c'est sûr et certain, je le mets à la poubelle. Non, on va le garder pour des tournages, ça peut toujours servir. Mais je donne pas une assos pour qu'il donne à des chiens ou quoi. Enfin, non, ils vont pas lui donner à des chiens, mais pour qu'il donne à des maîtres qui niquent leurs chiens, c'est horrible. Ok. Waouh! Oh la gourde du brave! Des petites chaussettes. J'en peux plus, je suis caoulé. Vraiment, j'en peux plus. Oh, et là, en fait, c'est une brosse. Tu te brosses. C'est peut-être pour les chiens, en fait. Ah oui, 4. Tu brosses et après, hop, tu peux enlever les poils comme ça. C'est génial! C'est quoi? Ah, quoi, belle mec? Attendez. Ah, ça aspire! Quoi? Arrête-le. Ça aspire? Non, ta gueule. Ah! C'est bon? Eh ben écoutez, on va le tester tout de suite. T'imagines vraiment un plan où je teste, genre, waouh. 19h16, on reprend, Pio va m'aider. Je suis crevé. Pour rappel, encore une fois, Pio, c'est mon beau-frère italien. Il parle un peu italien, vas-y, dis ta meilleure phrase italien. Je suis fatigué. Dis ta meilleure phrase en français. La meilleure phrase que je viens de faire, incroyable. Ouais. Incroyable, c'est tout? Oui. Waouh. Waouh. Non. C'est quoi? C'est quoi, ça? Un sac à dos? Ouais. Waouh. Il est comment? C'est un quoi? C'est où est-ce? On peut mettre... Mais non, le sac à dos du futur, on peut mettre carrément un truc USB dedans. Comment c'est? Ok, là, c'est le compartiment pour mettre un peu le PC. Là, t'as un autre compartiment pour mettre... Ah ouais, ça fait en mode valise et tout. Oh non, c'est baisé. Ok, tu sais quoi, je prends un colis pour toi et toi, tu prends un colis pour moi. Vas-y. Franchement, je vais pris un bon colis, là. Il est bien, celui-là. Oh, non, tu sais très bien ce que c'est. Non, c'est... T'es un salaud. C'est on sait tous que c'est deux boîtes à chaussures. Tiens, franchement, non, j'ai même pas envie, en fait. Vas-y. Non. C'est bien. Non. C'est bon. Ah, bah, ok. Ok. Oh, un beau papier peint. Mais bon, sur le moment, tout de suite, est-ce que je suis content d'avoir un papier peint? Non. Bah oui, Pio, je te l'ai dit. Bah oui, mon Pio. Voilà, super. Hop, une petite montre. Oh non, la montre, vraiment, il y a... C'est beau, mais ouais. J'avoue, elle est cool. Oh, en vrai, elle est pas mal, hein. Petite montre connectée. C'est pas comme ça. Oh, waouh. Oh, regarde, un rouge à lèvres. Des chaussures. C'est une petite pop Brésil. Mais non. On a une petite pop Brésil. C'est mignon. Oh bah tiens, des petites places pour toi, tiens. Hey, ouais, une petite sacoche Nike. Nike. Ah ouais. Oh. Bah ils ont abusé. Si, il y a marqué Nike de l'autre côté, non? Hop. Elle me va bien, elle est bien, non? Petite ou quoi? Hop, tiens, regarde. Petite lunette avec moi. Hop. Là. En fait, je m'habille au fur et à mesure grâce au colis. Et là, il y a maintenant, j'ai les chaussures, les gars. Waouh, mec, les lunettes, elles pètent les yeux. Oh putain. Ah, c'est orange, hein. Moi, j'aime bien avec moi. Putain, non. Je préfère limite ça. Ah, quoi? Ouais. Waouh, il a eu... Oh, incroyable. Waouh, comment il est? Ça marche de fou, bah, c'est une tonneuse. Ah, ça, c'est pourquoi ça? C'est pipi. Oui, mais pourquoi il y a ça? Bah, en mode, c'est pour le retirer. Genre, c'est du vin, genre. Bah. Oh, un peu stylé ça, des petites pierres. C'est super dangereux quand même. T'as bien, bien. Et là, faut le tirer vers le haut. Ne reproduisez pas ça chez vous, après il y a de l'air quand même qui passe. Oui, là, c'est abusé du coup. Ah, c'est horrible avec la tête qu'il a. Mais t'enlèves-le, ça peut être dangereux quand même. Oh, des crampons, non? C'est pour le... Pour le foot? Non, c'est pour la biche. La biche? La vélo. Ah, le vélo. Par contre, ça doit coûter super cher, ça. Ouais. Peut-être c'est pour faire du ski, non? Non, c'est pour les vélos. C'est les mêmes trucs serrage que pour le ski. C'est super quali, en vrai. 77 euros, ça. C'est pour moi. Putain. Mais pour le vélo avec, il doit coûter super cher, je pense. C'est pas grave, ouais. Oh, une pop! Oh, si même la pop, elle est fake, c'est abusé de fou. Izuka. Ah, dans Hunter. Waouh! Ah oui, c'est trop beau ça. Waouh! Oh, ça, c'est dinguerie, ça, par contre.
Ouais. Ça me dit quelque chose, ça. Si c'est un feu d'artifice, je pète un câble. Professionnel. Oui, c'est un écran. Ah, c'est un genre de déco. Ah, mais oui, DVD et tout. Ah, ouais. Tard les potes. Oh, un petit masque de Superman. Spider-Man. Je suis fatigué. C'est quoi? C'est vrai? Ah! Ah, c'est trop bien ça! Mais il est défoncé, Sarah, si tu dois appuyer là. Il est à la balle, la batterie là. Vas-y, lance là. Waouh! Oh, les lunettes, elles sont rincées. Ah, bah, elles sont même cassées. Ah, j'ai trouvé des pépites, je crois. Ah, c'est stylé ça! Oh, c'est génial! En fait, ça, c'est un petit jeu. Oh, mais faut des piles. Regarde, viens. Normalement, si tu mets des piles, t'as de la musique et tu dois suivre les trucs. Ouais, je suis le plus gros colis de la vidéo, les gars. Oh, ça a l'air stylé. Attention, regarde pas, moi aussi je regarde pas. S'il vous plaît, dites-nous que c'est bien, s'il vous plaît. Oh. C'est bien. Bah, regarde, c'était le plus gros carton de la vidéo. Je crois que c'est un truc pour folding. Non, c'est pas pour les ongles, ça. Oui. Je sais pas c'est pourquoi, ça. S'il vous plaît, encore une fois, dans les commentaires, dites-nous. Mais je pense que c'est soit pour les ongles, soit pour le pour bronzer, peut-être. Waouh! Pourquoi t'as fait des trucs bien? Waouh! Vas-y, montre. Waouh! C'est pour toi! Oh, une manette Switch! Incroyable! Regarde, regarde, regarde! Tondeuse! Putain, on a tellement des tondeuses comme ça! Oh. Quoi? Oulala, on stoppe tout, on stoppe tout! Attends, d'abord on prend ça. Là, on a vu un truc avec marqué fragile. Après, ça veut rien dire, mais on stoppe tout là. Vas-y, viens, on ouvre cela tranquillement. En plus, ça, c'est des connectiques. Ok les gars, ça peut être un PC hein. Allez, on ouvre à deux. Ah mais c'est trop léger. Ah. Pensez à vous abonner. Le décodeur de merde. Ouais. J'ai trop la haine, putain. C'est quoi? Oh, c'est un ballon XXL. Wouhou. Je m'attendais à un truc plus fun finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous m'aimez bien avec une casquette ou pas? Moi je sais jamais. Ça va, ouais. J'ai vu que c'est les bandeaux de Konoha avec ça, je suis un cinglé. Oh, c'est le truc déchargé de prod, ça, tiens. Ah bah, Nico, il faut que t'aies ça dans ton téléphone. Je ne sais pas quoi. Wow. Menteur. Mais elles sont fake. Mais elles sont belles. Vas-y, Anto, on se dépêche, on a un code là. Voilà, ça, c'est un truc déchargé de prod, voilà. Ça, c'est un vrai chargé de prod, ça. On a toujours le téléphone en main. Voilà. J'ai besoin d'aide. Bon, les gars, il y a ma mère. Salut la team. Attention, par contre, c'est pour moi après. Hein, parce que je... Oui, mais un seul. Ah bah regarde. Si, c'est bien, là, pour les maternelles où je travaille. Hop là, cache-oreille. Regarde, hop là. Ding dong, maman, dépêche-toi, t'as bientôt plus le temps. Attends, ça va. Ah, un petit support téléphone qui fait trépied et tout. J'en ai déjà deux, quatre maintenant. J'ai choisi mon code. Attends, t'es sûr? Ouais. C'est quoi? C'est quoi? Ah là là, tu t'es fait carotte. Waouh. Vas-y, ouvre-le. Ah, on fait gaffe avec les coudes, avec les ciseaux là. Ça pour les jeunes filles, c'est pas mal. Hein. Alors vous avez deux petits vernis. Et je sais pas si c'est semi-permanent ou pas. J'ai pas de lunettes pour voir. C'est marqué semi-permanent. Petite voilà. Montre connectée. Mais regarde, t'aurais pu en avoir combien? Pas deux. Pas trois. Pas quatre. Mais cinq. Papala, 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 papa. Encore des écouteurs JBL. Ma... Non. Regardez les gars. Non. N'importe quoi. Ah, regardez. Ça ressemble. On est bien d'accord. J'ai bien vous faire croire. Une pomme. Il a moi. Non. Attends, depuis tout à l'heure, moi, ça fait depuis ce matin, j'ai rien et toi. On tue mon colis. Hein? Attends, vas-y, la c'est quoi pomme. C'est quoi, où, vas-y. Oh putain. Il y a marqué quoi? Pensez à vous abonner et lâchez votre like. Ah, c'est Pio qui m'a fait un coup monté. Waouh, je crois que j'ai ouvert le jackpot. Waouh, c'est que des trucs comme ça, c'est quoi? On dirait des couronnes. C'est ça la roumaine qui m'avait mis des couronnes pour rien, mes dents. Mais non, c'est pas des couronnes. Ah si, putain, t'as raison. Elle m'avait mis des couleurs qui étaient même pas la couleur de mes dents. Je suis sûre que c'était des trucs comme mais ça. Oui, c'est des fausses dents. Ouh, j'ai une imprimante portable. Caméra. C'est top si ça marche. Pourquoi il l'imprime combien de fois là? Merde, 10 fois j'ai marqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah des chaussures bien évidemment. Waouh, ah ouais. Patate. Hop là, waouh, regarde Pio. Il est stylé lui hein. Dragon Ball Z. Regardez-moi ça comme il est beau.
il est vraiment beau de ouf. Mais qui a toqué là? Attends, je vais aller voir qui a toqué là. J'ai besoin d'aide. Bon les gars, il y a Scott qui vient m'aider. Hey, il a... hey, on dirait gros, ça fait 3 jours il a pas dormi frère, il est au bout de sa vie. Mon gars, je t'ai jamais vu aussi fatigué je crois. Mec, regarde le podium en premier. C'est carte graphique, c'est une carte graphique d'ordi mec. C'est stylé ça? Bah ça vaut cher en vrai. En deuxième? Je m'y connais pas du tout, hein. Je sais pas du tout ce que c'est mec. Mec, regarde en deuxième, c'est un stabilisateur pour iPhone, regarde quand tu fais un TikTok ou quoi. Oh, c'est hyper stylé ça par contre. T'as vu? Parce qu'il y a en troisième, il y a ça. Du gozo. C'est quoi ce truc là? Bien vu, c'est un truc super puissant. Ah mais c'est toi qui as fait biper. Ouais. Putain mais j'ai cru que c'était moi qui avais fait biper le truc. Ouais. T'as vu? Oh c'est incroyable. Détruis les oreilles. Ouais. Oh c'est une dinguerie. Ouais. Mais en vrai ça sert à rien. Et ça c'est pas sur le podium parce que c'est pour moi ma consommation personnelle. C'est quoi, c'est une clope électronique? Non. Oh je veux, stop les. Vas-y viens, viens, on se crée de frérot, vas-y. T'es pas obligé de filmer. Bon, hé gros, hé. Je suis mort. Bref, vas-y mec, moi j'ai trop hâte, je suis venu pour ouvrir du colis. Je veux ouvrir du colis frérot. Eh bah vas-y frérot, je te laisse te servir. Je vais ouvrir ce que je veux. Vas-y, le premier celui-là il a l'air lourd. Ça se voit, il vient d'arriver lui. Bro, ça veut dire quoi? Vas-y, ouvre mon ref, t'inquiète, ouvre. Moi ça a l'air d'être des vieilles chaussures. Eh par contre je trouve un truc stylé, je le garde hein. Moi je le dis tout de suite hein. Non mais lui il ouvre les colis comme si, genre ça se voit c'est le billet qui l'ouvre. J'en veux plus. Moi mec je suis trop content, je l'ouvre doucement et tout. Mais je suis sûr qu'au bout du 500ème, tu sais t'es en mode vas-y tu l'ouvres à la rage genre. Ah il comprend la déception des colis. Anthony pourquoi il y a des chaussures de tout marron là? Wesh frérot, t'as fait le blague ou? C'est quoi la technique pour ouvrir un colis? Pas pour choisir un bon colis. Bah en fait faut palper un peu, mais sauf qu'on fait que ça depuis le début et du coup il reste que de la merde de plus en plus. Je le palpe comme non, ça genre, vraiment. Le colis. Ah ok merde, colis. Putain, ah fait chier. Ah je crois que c'est stylé ça. Oh mec, c'est un truc en carbone frère. T'as vu ma mère, c'est en carbone. Eh le carbone. Ah, mais... ouvre le carton avant. Mec, c'est une vraie pièce en carbone, frère. Regarde comment j'ai trop le seum, ce que je viens d'ouvrir. Attends, mec. Frère. C'est quoi? Non. Mec, c'est une selle. Ah, en carbone. En carbone. Non, vraiment, c'est stylé de ouf. Mec, vite ma mère. Frérot, tu remplaces ton dernier produit de merde, tu le mets. Non, c'est non. Combien ça vaut? Ok, juste le prix, les gars, okay. À votre avis. Moi, je dis 120. J'espère que t'abuses pas. Mais 199. Bon, vous abusez les frères. Ça vaut 90 euros frère. Putain, j'avoue quand même. Bon après, ça coûte pas plus cher qu'une carte graphique quand même. Mec, t'achètes un colis 5 balles, t'as un truc à 90 euros dedans. Non, en vrai, c'est pas mal, en vrai, c'est stylé. Ça, je pense que c'est premier degré d'iPhone. Regarde, la forme, tout. Touche en dessous, regarde. On dirait les ouvertures. Touche là, t'as vu ou pas? Ça, pour moi, c'est un iPhone. Non, moi, je pense que c'est un téléphone reconditionné. Genre, pas forcément un iPhone, mais c'est un téléphone reconditionné. Et bah ça, on le garde pour la fin. Par contre, moi, j'ai envie d'ouvrir ça. Voilà, je pète mon crâne. Je crois que c'est une paire de chaussures méga stylées. iPhone. Oh regarde, le logo. T'es mal le prank qu'il m'a fait. Avant de venir, il s'est préparé le petit colis et tout sur le côté, non? Mais attends, mais mec, c'est des Jordan, mec. Attends. À ma réaction, tu dois deviner si c'est une paire stylée. Wesh. Mec, elles sont stylées de ouf, frère. Wesh. Mec. Super belle. Waouh. Combien, c'est du combien? 37,5. Non mais ça pue la gueule. Ah mais 100% sûr. Ah mais oui, 100% sûr. Trop fraîche, frère. Ah oui, vraiment, par contre, en rose comme ça là. Mais par contre, mec, c'est 100% réaliste. Hein. Là pour le coup. Ouais. Mec, elles sont trop fraîches, frère. Regardez la paire qu'il vient d'avoir. J'avoue qu'elle est vraiment stylée. Vas-y, ouvre ton colis. Allez, qu'on en finisse. Mec, t'es mal, j'ai reçu quoi? Ah non, putain. On a crié à la même chose. Ouais, parce que c'est la même taille. Oh, c'est un fer à boucler pour les go. Ouais, moi je pense qu'elle. Je pense que... Vas-y. Ça, c'est tenu ça, ça c'est du tenu ça. Pio, t'es sûr que tu veux tester? Wouah! Après, il a déjà les cheveux bouclés. Oh, ben, oh! Ah, mais ça coupe, je crois. Ça coupe, je crois, Pio. Mais, mais si! Il y a des lames! Il est en train de regretter. Mais là, ça coupe les cheveux, frère. Ouais, j'ai failli me couper le doigt. Oh, en plus, regarde la lame, comme elle est énorme. J'ai failli me couper le doigt. Mais c'est une lame. C'est une lame, mec. Ah ouais, c'est une lame, putain. Ça sert à quoi? Mais c'est super dangereux, wesh. Ouais. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi ça sert à quoi. Ok, frérot, Théma. Premier qui le met, il a gagné. Le premier qui le met, il a quoi? Le perdant. Moi je m'engage. Si tu gagnes, t'as le droit de l'ouvrir.
C'est quoi qui avait marqué iPhone? Vas-y, 3. Attends, on recommence à zéro du coup. Par contre, si tu marques, je m'arrête derrière, ça marche pas. Ouais, c'est cool. Je suis en stress. C'est assez marrant pour moi. T'as mis là? Tu l'as mis? Oui. Allez! C'est mon truc de la vidéo, pitié. Allez! Pas ça. Oui! L'iPhone est à moi. Et bah, vous savez quoi? On va l'ouvrir maintenant. Et non, je rigole pour le watch time de la vidéo. Et bah, on va le laisser à la fin. Oh. Au pire, c'est ce qu'on fait. C'est quoi? Tu l'ouvres, il y a que toi qui regardes. C'est parti, je vais ouvrir Poker Face. Pour moi, c'est un iPhone, j'ai trop peur d'être déçu. Mais regardez pas, Pio, regarde pas! C'est un peu spoil. Voilà, cache-toi. Ah, mais je sais pas si c'est. Attends, je me permets, je joue plus fort pour. Pio, regarde-toi. Ah, j'en sais rien si il troll ou pas! Hey. Tu le gardes vraiment pour la fin, tu triches pas, hein? Promis. Je veux vraiment que tu l'ouvres en dernier. Ouais, promis, le dernier produit de cette vidéo. Mais est-ce que c'est une bonne idée que je l'ouvre en dernier? Franchement, ouais. Je sais pas si tu me dis la vérité ou pas. À votre avis, quelles étaient les réactions de mon visage? C'est quoi ça? J'en ai marre. Oh, c'est des jupes, frère. Frère, la vie de ma mère, c'est un banger. Ça lui va un peu bien, en vrai. Oh, y a tout, mec. Oh, y a, c'est vraiment l'ensemble, quoi. C'est quoi ça? C'est encore Internet? Non, ça a l'air super. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air... Ah, faut la brancher! Mec, ça a l'air un peu stylé. Waouh! Regardez! Et tu écris comment? Ça fait rien. Oui. T'as pas de stylé, rien du tout? C'est quoi ces talons du futur? Mais maintenant, je crois qu'à ma meuf, je vais lui offrir ça. Hein. Quoi? Bah, rien, je vois, truc de mon côté. Pour ta meuf? Non, pour toi. Bah, non. C'est éclaté, on est d'accord. Ah oui? Ouais, c'est mieux. Ah! Oh, c'est archi bien fait, mec. Ah non, pas du tout. Non, c'est stylé, en vrai. Je suis sûr que tu donnes ça à un enfant de 8 ans, il est trop content. Arrête. Mais mec, le jette pas, mec, c'est attends, trop stylé. Non, mais tout ce que je mets là-bas, c'est qu'on garde. Ah, il trie. Ah non, t'es malade. Ah, tu crois que depuis tout à l'heure, je le jetais? Mais ouais, je pensais que tout à l'heure, tu mettais à la poubelle, mais mec. Mais non, t'es malade, on trie. Ouais, tiens, pour mettre sur ta voiture, vu que t'es un beauf. T'es vraiment un bâtard. Oh, j'ai trop peur. Oh, c'est incroyable, je mets ça sur mon Kangoo, mec. Super. La vie, je vais le mettre. Vas-y. J'ai 3 derniers colis avec toi. Vas-y. J'ai choisi mes 3 derniers colis. J'ai choisi les miens aussi. Regarde ce que j'ai eu, mec. Ça fait de la... Tu connais la brume? Regarde. Ouais. Mais t'es con, quoi, c'est de la brume. Tu sais, c'est du vent... Oh, arrête. Non, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Mais j'arrive pas à arrêter. Mec, t'as l'air vraiment premier degré, je croyais que c'était ça. C'est abusé. Par contre, il y a des putains d'Apple Watch 9. Oh, en vrai, elle est hyper quali, mec. Je suis choc barre. Non, là, c'est trop, c'est baisé. Ok, Inox. Bah, regarde, l'Apple Watch, enfin, c'est une fausse, mais elle est trop bien faite. Elle est trop bien faite, mec. Mec, vraiment. Mec, rien, même le chargeur. Ça, c'est pour qui? Ah ouais, toi, je t'ai dit tout ça. Et moi, je me suis pris ça. Bon, allez, on a nos 3 derniers colis avant que je parte la team. Non, on finit tout ensemble, tu m'avais dit. Ouais, ah, moi, sur le planning, mon collègue m'a dit, tu finis tout avec moi. Oui, t'inquiète. J'ai des petites. Petite perle. T'as quoi toi? Ouais, t'as plein de trucs, t'as un portefeuille. T'as j'ai un petit portefeuille, après je sais pas ce que c'est. Un chargeur, tu sais. Sans fil genre? Sans fil, ouais. Ah, c'est des écouteurs. Sans fil. Ok, le deuxième. Allez, deuxième colis. Pour l'instant, j'ai gagné le premier. Quoi? Vas-y, je te le laisse. Des sacs poubelles. En vrai, c'est stylé pour la maison, c'est utile. Ouais, c'est utile au moins. Attention, est-ce que le sac poubelle va gagner? À tout moment, mec, ton sac poubelle il gagne. Ouais, chef, il va pas être meurtrier comme ça. Oh, c'est trop stylé, regardez-moi ça. Regardez une petite statue là. Oh, mec, je déroule ma bille. Mec, t'es mal les roulements. Vas-y, fais les rouler. Ils sont éclatés, mec. Mais tu sais que c'est même pas des roulements de skate ou de trottinette ou quoi, ils sont trop petits. Le dernier produit avant que je parte. Oh. Je sais c'est quoi. C'est ce que c'est. Mais j'ai c'est le troisième. Arrête. C'est quoi du coup? C'est un drone. Mais qui me menace? En vrai, c'est. Les mecs, c'est hyper bien. Après, on les a pas testés, ça se trouve, ça. Ouais, j'avoue. Tu veux le tester ou pas? Non. Tu as pas testé ici? Non. Mec, mais vraiment. Mais. Pourquoi il marche pas, mec? J'essaie juste de l'ouvrir, frère. Voilà, à cause de lui, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Quoi? C'est pas moi, regardez, j'ai rien touché. Mais mec, regarde. J'ai rien fait. Juste. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais je sais pas, frère, j'ai ouvert les ailes, elles se sont cassées direct, mec. Bon, mon gars. Force pour la fin des ouvertures de colis. Tu sais que je rigolais, on a eu aucun drone et ça aurait été l'occasion de les tester. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est je t'ai écouté. Je te jure. Mec, tu m'as dit que c'était le cinquième. Mais non, c'était faux. C'était le premier. C'est vrai, c'est faux. Bah, c'est vrai, je te jure. Vous avez combien de drones?
Zéro. Enfin, vraiment zéro du coup. Attends, c'est hyper stylé, frère. Bah oui. C'est grave stylé. Mais frère, je m'as dit. J'ai rigolé. Non, mais du coup, là, je me sens mal. Mais non, on a eu plusieurs. C'est juste, je voulais te mettre mal encore plus, voilà. Merci de m'avoir aidé. Ouais. Vraiment, c'est gentil. Bon, bah, bisous. Et rendez-vous tout à l'heure. Pourquoi ? Dis pas, mais. C'est un mytho, je sais qu'il y a rien du tout. Mec, tu sais, ça va être quoi ta réaction ? Ça va être quoi ? Tu vas l'ouvrir, tu vas vouloir m'appeler direct. Ok, il en fait trop. Allez, salut, à la prochaine, et surtout, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que de Street, là, juste là, voilà, juste ici. Minute 50, les gars. Bon, j'ai traîné, on a mangé avec Scoot de Street et tout. Ça a fait du bien, mais je me suis trop reposé. Tellement, un peu plus de 16 heures que la vidéo a commencé. Je pense que j'ai réellement ouvert des colis pendant au moins, sans m'arrêter. Ouais, pendant au moins 10 heures, j'ai fait qu'ouvrir des colis. Putain, je m'en rends pas compte, 10 heures ? Ah ouais. Je suis KO. Ah ouais, en plus, vraiment, je reprends avec ça. Allez, s'il vous plaît, au moins un truc un peu cool. S'il te plaît, allez. Fais-moi kiffer. Allez, chaussures de foot. Non, c'est mort. Voilà. Ah, des petites boîtes. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi, ça? Ah, enfin, des trucs qui m'intriguent, je sais pas c'est quoi. On l'a pas eu mille fois. Ah, pommeau de douche. Ouais, c'est cool. Ah, c'est quoi, ces petites boîtes? T'en as jamais eu, ça? Ah, non, ok. Ça, je sais pas si vous connaissez, je l'avais déjà ouvert. C'est une dinguerie. Par exemple, on va prendre Hello Kitty qu'on a trouvé. Voilà, et là, on peut fermer et ça fait un peu un truc de 3D, genre. J'aime beaucoup. Des petits bijoux, encore une montre. Ok. C'est horrible, mec. Niveau divertissement, là, je suis en mode, ok, une montre. Bon, les gars, j'ai besoin de renfort. J'ai besoin d'aide. Je suis motivé, là. Ouais, j'ai une bombe. C'est une bombe, ça. Ah non. C'est, hein? C'est quoi, ça? C'est sur le téton, ça. Ah ouais, ça se voit, c'était le premier colis aussi. Ouais, c'est le premier. Wesh. Oh, non. Oh, c'est stylé. Sérieux, vraiment? Par contre, il est en sale état, le wow. Truc. Je sais pas si... Ah, mais de base, oui, c'est comme ça. Ouais. Vas-y, viens, laisse dans la maison maintenant. Vas-y, appuie voir si ça marche encore. Ok, attends, attends. Ouais, ça bombarde. Deux. Oh, il est dégueulasse. Mais c'est Naruto, donc c'est incroyable. Mais vraiment, Ah, il est mieux, là. Non, mais je suis encore en tournage, là. J'en peux plus. Bah, en vrai, je pense... demain, t'as pas la route à anticiper dans ce que tu dois ranger, tu vois. Vas-y, bah, ça m'arrange de fou, frère. C'est bien. Ouais, j'ai peur. J'en peux up, les gars. C'est impossible. C'est pitié, qu'est-ce que je viens de voir? C'est hilarant, c'est impossible à enlever. Tu as mis le manteau, c'est pour le chien, ça. Shit. T'imagines un mec qui vient de braquer et il a ça, genre, c'est à moitié drôle quand même. On dirait un catcheur, le mec. Voici les colis qui me restent. Il est actuellement 2h38 du mat. Je suis KO. J'ai mal aux mains. Vraiment, j'ai super mal aux doigts. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un truc pour les... Ah non, je sais pas. Ouais, pour les ongles peut-être. Allez, on est sur la fin là. C'est des petits aimants. Une petite pince à pas épiler, mais je sais pas c'est pour faire quoi. Ah, c'est une petite, je sais pas, un petit truc. On arrive sur le dernier colis de la vidéo, où Antoine sait ce que c'est. Moi, depuis le début, depuis que j'ai touché ce colis-là, je l'ai dans les mains depuis le début, je me suis dit c'est un iPhone. C'est pour ça que j'ai fait exprès de le mettre à la fin, parce que je voulais vraiment qu'on regarde ça à la fin. Vraiment, je suis pas un mytho, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais pour moi, c'est pas un iPhone. Ça va être vraiment un scandale, genre ça va être de la merde. Comme d'habitude, sur les vidéos des colis perdus, avant de l'ouvrir, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, mettez un commentaire en me disant ce que vous avez préféré dans la vidéo. Ah non, je stresse de fou, putain. Attendez. Alors, c'est pas un iPhone. Mais c'est une petite play, mais elle est super quali. C'est un GamePro, c'est un GamePro.
Mec, vraiment, la qualité, elle est dingue. Je viens de regarder, ça coûte à peu près dans les 100 euros et tu peux jouer à tous les jeux qui ont existé dans les débuts. Et en vrai, la qualité, elle est trop bien en plus. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ça, c'est tout ce qu'on va donner à l'association.